Et salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une vidéo pour parler un petit peu de la chaîne, pour que moi, Angel038, je vienne vers vous, vous parler, et puis on discute tous ensemble de ce qui va se passer sur la chaîne, de plein de nouvelles choses hein, qui vont arriver à cette rentrée. Donc, première chose, on va parler de ce qui va se passer sur la chaîne dans les prochains jours, mois ou semaines. Donc tout d'abord, F1 2014, ma carrière solo, je vais commencer par la terminer. Il reste plus de 2 courses maintenant, il reste le Brésil et Abu Dhabi. Donc un championnat qui se joue entre les deux Mercedes et mon coéquipier Fernando Alonso. Pour l'instant je suis à la 4e place, mais menacé par un retour de Sebastian Vettel qui a fait un joli une jolie fin de saison là, qui est en train de marquer des gros points. Donc des courses que pour le Brésil, pour moi, qui est un circuit qui est pourtant qui est magnifique, qui a un super tracé, mais pour lequel je vais encore avoir énormément de mal avec la Ferrari. Et Abu Dhabi, un circuit sur lequel j'espère briller, puisque c'est un circuit que j'apprécie tout particulièrement. Comme beaucoup d'autres tracés, vous me direz, mais celui-là, je sais que c'est un des tracés que j'aime beaucoup. Ensuite, pour F1 2015, donc il y aura, comme je vous l'avais déjà annoncé via les messages parmi les commentaires sur les vidéos, un vote hein, pour choisir l'écurie pour laquelle vous voudrez que je cours la prochaine saison solo sur F1 2015. Alors j'espère que d'ici là, le jeu sera un peu plus jouable, pour rien vous cacher. Je n'ai que très peu d'heures de jeu sur F1 2015 pour la simple et bonne raison que d'une part déjà de ma carte graphique qui est un peu en limite de performance et qui fait que je ne peux pas profiter du jeu pleinement, donc il ne tourne pas à fond, il n'est pas à 60 fps et donc au niveau jouabilité j'ai connu des jours meilleurs pour tout vous dire. Et puis donc comme vous pouvez le constater, j'ai le volant SteelSeries Sim Raceway, comme je sais que certains d'entre vous l'ont acheté, fixé sur la base du G27, et avec F1 2015 c'est tout simplement injouable. Pourquoi, j'en sais rien. Avec Cédric on a essayé de se pencher dessus pendant nos vacances, et on n'a pas du tout trouvé de solution à notre problème, puisque si vous voulez, en fait, le fait que le G27 et son moyeu central hein, qui reste fonctionnel pour tout ce qui est direction et donc niveau du volant, et que le Sim Raceway avec ses accéléromètres à l'intérieur aussi tente de faire les virages, donc les deux périphériques se mettent en conflit, ce qui fait qu'on a la voiture qui tourne par saccades, le volant qui saute, enfin c'est complètement injouable. Donc pour l'instant le combo G27 et Steel Raceway de SteelSeries, ça marche pas, donc on va essayer de trouver une combine, on va voir. J'espère qu'un patch va sortir sur la fin 2015 pour la prise en charge des volants, parce que même avec le G27 en natif, sans modification, nous avons un gros problème, c'est que le retour de force, même réglé à fond, est inexistant quasiment, on ne ressent pas le poids de la voiture, donc c'est assez difficile à piloter. Je sais que MaxouPilote, lui, a un T500 RS et lui il semble ne pas avoir de problème avec son volant, et grand bien lui fasse. Mais nous, avec le G27, autant Cédric que moi, pour l'instant, sur la fin 2015, c'est un peu la cata. En parlant de Cédric, donc lui, vous allez voir dès demain, il va commencer une série de vidéos sur Dirt Rally. Il vient de faire l'acquisition de ce jeu, Dirt Rally, et qui est le nouvel opus de Codemaster pour l'aspect rallye de la chose. Donc il va faire une série de vidéos là-dessus, j'espère que ça va vous plaire, on espère beaucoup. En apportant ce renouveau au niveau du rallye, que ça relance un mouvement un petit peu pour la chaîne. Et lui aussi il va lancer une carrière solo, enfin c'est pas tout à fait une carrière, c'est en fait vous allez être dans la peau de Sebastian Vettel au travers de Cédric, qui va piloter donc la Ferrari de Sebastian Vettel. Ce sera des vidéos de Grand Prix qu'il aura couru, Donc vous allez voir des replays. Enfin, je ne veux pas vous spoiler un petit peu tout ce que le boulot énorme qu'il a fait. Ce que je peux vous dire, c'est que vous allez avoir quelque chose de très sympa qui va arriver à la rentrée. Et ça ne sera pas sur une saison complète, hein, il y aura quelques courses parce que ça représente un boulot monumental. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Peut-être que vous vous rendez compte quand vous verrez la première vidéo. Toujours est-il qu'il a eu cette idée et je trouve que c'est une très très bonne idée. Et vous verrez donc, sans spoiler un petit peu ce qui s'annonce, ce que Cédric vous a préparé pour la rentrée. Et je pense que ça devrait vous plaire, vous amateurs de F1. À côté de ça, il va y avoir aussi la fin de la saison coop avec Cédric sur la fin 2013, hein, elle aussi elle arrive à son terme, il reste je crois 2 ou 3 Grands Prix pareil, et puis ensuite nous enchaînerons sur une coop sur vraisemblablement F1 2014, F1 2015 nous privant de coop, nous serons obligés de nous rapatrier sur F1 2014. On a plus ou moins une idée de comment faire la chose, donc ça sera F1 2014 avec le mode 2015 qui fera qu'on aura donc les pilotes, les livrés, tout comme il faut par rapport à la saison 2015, mais sur F1 2014. Donc pareil, hein, on verra si on mettra au vote ou pas l'écurie pour laquelle vous verriez bien piloter Cédric et moi pour cette coop sur F1 2014. Donc ça sera aussi à la rentrée. Par ailleurs, je vais probablement faire un live la semaine prochaine, mais ça sera un live entre guillemets FAQ, parce que j'ai envie d'échanger avec vous. Je sais que j'ai remarqué, enfin j'ai regardé à peu près les visualisations des vidéos qu'on a mis en ligne avec Cédric depuis ces quelques derniers mois, enfin ces 2-3 derniers mois, pour tout vous dire. Et on s'est rendu compte que le nombre de vues a bien baissé et donc on arrive rarement sur une semaine à passer les 200-300 vues, c'est assez compliqué. On sait que bon, on est assez fermé hein, sur notre credo, la Formule 1 c'est un milieu assez fermé et on n'a pas une narration et une façon de présenter telle que là MaxouPilote, ou une façon de mettre en scène et de faire les montages comme le fait Tibouda. Comme je vous le dis, on fait avec les moyens du bord, hein, vous voyez le cadre derrière moi hein, dans lequel je tourne cette vidéo, puisque c'est dans mon bureau, ma chambre entre guillemets, et c'est vrai que ça fait très amateur, mais voilà, on fait avec les moyens du bord, comme on vous dit. La vidéo sur YouTube, c'est pas ce qui nous fait gagner notre vie, et donc on n'a pas les moyens d'investir dans du matériel et avoir une salle dédiée pour le tournage de vidéos. Vous voyez, hein, contrairement à certains autres pilotes qui font du sim racing, je n'ai qu'un seul écran derrière moi, j'en ai pas 3, donc je ne peux pas non plus m'immerger complètement dans la simulation. Enfin, je suis pas dans cette vidéo pour me plaindre ou quoi que ce soit. Tout ça pour dire que voilà, on voudrait essayer de comprendre. J'ai envie d'essayer de comprendre avec vous et d'essayer de débattre lors d'une soirée live. Et attention, je sens qu'il y en a qui vont tomber de leur chaise. Ça sera un live sur du Minecraft. Pourquoi Minecraft ? Parce que pour moi, c'est un jeu qui est un petit jeu bac à sable qui est plutôt sympa. Où les jeunes actuellement sont très accros dessus. Ça n'a rien à voir avec la chaîne, complètement rien à voir, mais c'est un jeu que j'aime bien, un jeu sur lequel j'aime bien passer du temps et puis me détendre, me vider la tête. Et puis ça permet de ne pas avoir une attention complètement focalisée sur le jeu, et ça permet d'échanger et de jouer avec d'autres abonnés, et en même temps d'échanger et de répondre aux questions du tac au tac quand on les posera lors de cette soirée. Donc vous serez prévenus, je pense que ce sera en milieu de semaine prochaine, de cet événement, du live, et donc je compte sur vous, sur votre présence, hein, pour être là, pour venir discuter avec moi, et peut-être avec Cédric, hein, qui sait, il se joindra peut-être à nous, s'il est disponible, pour qu'on puisse ensemble discuter de ce que vous aimeriez voir sur la chaîne dans l'avenir, s'il y a des choses que vous aimeriez qu'on change, voilà, je suis ouvert un petit peu à tout ce que vous pourriez nous proposer, dans la mesure de ce que nous pourrons faire derrière. Après, un autre sujet sur lequel je voulais un petit peu parler, c'était souvent je fais allusion à d'autres youtubeurs hein, qui marchent très bien, comme Tibouda ou MaxouPilote, d'autres youtubeurs qui sont peut-être moins connus, hein, Zgoom par exemple, qui avait fait aussi des séries de vidéos sur la F1, mais qui a aussi un petit peu perdu pied, enfin on n'a plus trop entendu parler. Et donc, moi je parle beaucoup d'autres youtubeurs. Pourquoi? Parce que j'estime que YouTube c'est un endroit où on a la liberté de pouvoir s'exprimer et de pouvoir faire part de ses passions aux autres internautes. Et je trouve que c'est bien d'avoir une communauté qui s'entraide, qui pousse ceux qui sont un petit peu plus à la traîne. Je sais qu'à un moment j'ai beaucoup parlé de MaxouPilote, maintenant il n'a plus besoin qu'on lui fasse sa pub, puisque il arrive bientôt, il est arrivé très rapidement aux 4000 abonnés, il a plein de nouveaux projets qui sont arrivés, qui sont mis en place, comme le commentary d'un championnat de Formule Renault virtuel. Je lui souhaite déjà, enfin je tiens à le féliciter d'en être arrivé là, il le mérite. Et l'investissement qu'il met dans sa chaîne et dans son travail est récompensé, et ça c'est vraiment génial quand on en arrive à ce statut-là. Et j'espère pouvoir continuer à voir certains youtubeurs avec qui je discute de temps à autre sur Steam ou via les messages, nous soutenir, que chacun soutienne l'autre, hein, pour les aider à avancer. Et c'est vrai que nous en ce moment avec Cédric on est un petit peu dans le creux de la vague, on a un petit peu l'impression que la chaîne est en train de stagner, et puis même voire en train de petit à petit mourir, j'ai envie de dire, puisque on n'arrive pas à atteindre le plafond des 2000 abonnés, on arrive à 1900 et quelques abonnés, ça monte, ça descend beaucoup. Le nombre de vues est significatif, hein, on arrive difficilement à 200-300 vues comme je vous l'ai dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai besoin de faire cette vidéo pour vous annoncer que voilà, j'aimerais faire un live et pouvoir échanger avec vous les abonnés, si vous êtes présents, si vous êtes motivés, et si vous avez envie de nous donner votre point de vue, vos idées. Et je compte aussi sur la présence de gros youtubeurs. MaxouPilote bien sûr est invité à venir participer au chat s'il a envie Tibouda également. Et voilà, j'espère avoir leur soutien, et puis un petit coup de pouce, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, je ne demande pas la charité, j'ai juste envie de dire un petit peu ce que je ressens, et puis de vous faire part de tout ça. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura motivé, que voilà, vous avez un petit peu le futur de ce qui va arriver à la rentrée sur le contenu de la chaîne. En attendant, moi je vais me mettre sur F1 2014, puisque là il y a une image de F1 2015, mais c'était pour faire joli on va dire. Mais je vais me remettre sur F1 2014 pour finir ma saison, pour vous proposer des vidéos dès la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite de bien terminer vos vacances, bon courage pour la rentrée, et sur ce, portez-vous bien, salut à tous!